Salut à tous et à toutes, car cette vidéo c'est Rikos, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les mecs, on va parler d'un tout nouveau Call of Duty qui est sorti en exclusivité en Australie. Il s'agit bien sûr de Call of Duty 6. Mais juste avant de parler en détail de ce tout nouveau Call of Duty, je tenais juste à vous introduire le petit gameplay assez sympathique. Comme vous pouvez le voir, la barre des feeds, je jouais avec Rage Ghost ainsi que Wheezy, Reality Wheezy, tous deux qui font partie de la Rage. Personnellement, j'ai pas fait une game très dégueulasse. Bien que j'étais en positif, j'ai mis des petits trucs, ils m'ont mis des petits trucs assez sympathiques. Ils nous ont pas défoncé, je les ai pas défoncés. Et puis voilà. Encore, je tiens juste à vous remercier car on monte assez rapidement en nombre d'abonnés ainsi que de vues. Ça me fait extrêmement plaisir. Bien évidemment, j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés avant la fin des vacances. Ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, let's go pour le sujet de la vidéo. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a un tout nouveau Call of Duty qui est sorti exclusivement en Australie. Il s'agit bien évidemment de Call of Duty Siege, donc je ne sais pas encore si je vais vous mettre un petit gameplay en fond. Peut-être que je vais vous mettre quelques images, quelques screens, etc. Mais sans plus quoi. Comme on peut le voir, le jeu est tout simplement dégueulasse. Personnellement, il est vraiment dégueulasse. Je le trouve pas super. Même si c'est Activision eux-mêmes qui l'ont créé. Et comme vous pouvez le voir sous vos yeux, on peut voir deux côtés. C'est comme du Clash Royale. Il y a deux côtés. Et après, c'est comme un Clash Royale, on va dire, etc. Parce que Clash Royale, c'est un jeu de troupes, etc. Faut bien gérer les troupes, faut bien gérer l'élixir, etc. Et là, il me semble que c'est le même but que Clash Royale. Mais évidemment, c'est un jeu qui est exclusivement sorti en Australie. Donc, à part si vous habitez en Australie et que vous regardez ma vidéo, bah déjà merci à vous hein. Vous pouvez le télécharger seulement en Australie et il est disponible que sur Android, il me semble, je ne suis plus très sûr. Et puis voilà, sur ce on arrive à la fin de cette vidéo assez courte mais assez intéressante pour ma part. On se retrouve pour d'autres vidéos, merci d'avoir regardé, bye les gens.